au fond tu voudrais être libre. Quand la joie te touche. Moi aussi j'aime bien. Parce qu'on veut tous être libres au fond. Ouais. Au fond, qui ne veut pas être libre serait fou. Quiconque dirait je vais vivre emprisonné toute ma vie. N'est-ce pas, Guy? Ouais. Comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Et toi? Ah, merveilleusement bien. Je me sens en paix à chaque début d'émission comme ça, là. Mmh. On commence et une présence s'installe et on est là. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est important. Parce que si on n'est pas là, les gens, ils peuvent pas nous voir. Bonjour à tous. Et alors, tu as un sujet spécial pour nous proposer aujourd'hui? Bah, il y en a tellement. On aborde quoi? Ce qui se passe à la télé classique ou ce qu'on dit dans les réseaux sociaux ou ce qu'on a dans notre cœur? On commence par où, selon toi? Moi, je préfère commencer avec ce qu'il y a dans le cœur. Allons. Parce que quand ce qu'il y a dans le cœur parle, eh bien, tout le reste devient sans importance. Mmh. Ou d'une importance relative, petite. Si voilà, fait. Voilà. Mmh. On en a besoin de toutes ces choses autour de nous. Mais toutes ces choses ne peuvent pas exister sans... ne peuvent pas prendre d'importance si le cœur n'y est pas. Mmh. Alors, pour commencer par le cœur, on démarre d'où? On démarrerait de porter l'attention déjà là sur notre présence, sur ce qu'il y a là maintenant. Mais déjà, c'est quelque chose d'assez délicat pour avoir conscience d'être présent. Parce que pour la plupart, on n'est pas présent. On est absent. On est dans nos histoires, dans nos rêves, dans nos ennuis, nos problèmes. Et on est en train d'essayer de s'en sortir, pour la plupart. Et quand tu es en train de gigoter là-dedans, ben, il n'y a pas de présence. En fait, tu es parti dans une espèce de ruminement de tout ce que tu connais pour pouvoir essayer de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de clarté. Mmh. Mais il y a beaucoup de déception là-dedans, avec cet affairement où tu cours derrière quelque chose qui pourra te donner un petit peu de gaieté dans ta vie monotone. Parce qu'il me semble que dans cette vie, il y a beaucoup de monotonie. Beaucoup de répétitions, beaucoup d'habitudes, de train-train qui se passent. Et on continue à faire tout le temps les mêmes choses, on répète toujours les mêmes choses. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas le cœur. Le cœur, c'est autre chose. Mm. C'est quoi un homme de cœur? Un homme de cœur. Tu connais ce dicton? C'est être un homme de cœur. Mm. Tu vois? C'est quelque chose de beau, ça. Mais est-ce qu'on sait le faire? Parce que pour faire ça... Je pense qu'il faut de l'intégrité. Sans intégrité, il n'y a pas d'homme de cœur. Il y a d'hommes de l'argent qui cherchent son intérêt. Il y a un homme d'intérêt. Voilà. Un homme qui veut obtenir quelque chose pour son futur, son avenir. Un homme qui est tracassé de perdre ce qu'il possède, ce qu'il a. Voilà. Un homme qui refuse d'être dépouillé de son identité. Factice. Mm. Un homme qui est perdu, un homme qui est abandonné à ses désirs, ses goûts et penchants, et dont il n'arrive pas à se libérer. Il aimerait trouver la liberté à l'extérieur, il le pense sincèrement, il se dit si j'ai ceci ou cela, ça se passera mieux, mais il y arrive. Quand il y arrive, il se rend compte de la limite que ça représente. Oui. Ouais, ouais. Et il passe comme ça, de limite en limite. Mm. D'attachement en attachement, qu'on appelle nous ici dans ce bas-monde liberté. Maintenant, cette émission, elle s'adresse vraiment à celles et ceux qui ont conscience que, au-delà des limites, existe une réalité qui est une et qui est à vivre. S'ils n'en ont pas conscience, peut-être qu'ils le cherchent, peut-être qu'ils le demandent du plus profond d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont essayé plein de solutions et que ça n'a pas fonctionné. La peur est toujours là. L'angoisse ne les a pas quittés. Et au lieu d'aller dans le sens du courant, on va chercher quelque chose dehors, ils sont prêts à faire preuve de courage et d'aller à l'intérieur, en profondeur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes ces personnes dont on fait partie aussi? On fait partie. Alors on est tous. On est tous dans le même bateau. On est tous des humains. Ouais.
L'humain, il vit ces choses. Il vit justement toutes ces tracasseries, toutes ces envies d'être libre, comme tu dis. Mais il y a un déclencheur quand même. Tu sais que nous pouvons voir quand l'enfant, lui, il parle toujours avec le cœur. Il a pas, il calcule pas vraiment. Il parle et puis ça vient tout seul. Et plus on grandit, plus on nous fait peur que c'est pas des choses à dire. Ce n'est pas aux normes. Il ne faut pas causer comme ça. Et donc... Ce n'est pas conforme. Voilà. Il y a des règles. On apprend à se mentir, en fait, puisqu'on n'est plus un homme de cœur. On devient un homme de la tête qui calcule. Et on dit des choses par rapport à ce que la tête prévoit. Tu vois ? Prévoit de plaire. Prévoit voilà. de ne pas décevoir. Voilà. Prévoit de correspondre à l'image qu'on a de nous en société. C'est ça. Et quand on est comme ça, eh ben, on a l'expression que l'on a, ce n'est pas une expression qui va faire l'harmonie, qui va créer une atmosphère pour que l'harmonie s'installe. Elle va être une action qui va être mécanique. Elle va conserver un état de chaos, mais dans une hypocrisie dans laquelle on dit voilà, c'est la paix. Voilà. c'est la paix, alors que dans la conscience, il y a la guerre. Voilà. Ouais. Voilà. C'est les non-dits, c'est les rumeurs. Voilà. Ce sont ce qu'on dit les uns sur les autres, dans leur dos, etc. Et alors, Farzad, tu vois, on parle de ça, mais quand on voit que c'est comme ça, qu'est-ce qui pourrait se produire si on était justement libre à juste exprimer ce que le cœur veut, mais pas ce que on aimerait. Parce que ce qu'on aimerait viendrait aussi de la culture qu'on nous a mis en nous, qu'on nous a inculqué, et nous dit comment les choses devraient se passer, comment les choses devraient être. Et ça nous fait, nous, avoir des désirs pour dire ce que je veux. Donc ce que je veux, c'est ce qu'on me demande, en fait. L'art d'une expression sincère, pour te répondre, c'est une joie. Ça provoque une joie telle qu'on va le dire. C'est quelque chose qui vient là, maintenant, sans que la réflexion ne s'y oppose. Et il y a une conséquence. La première des conséquences, c'est le rejet. C'est le rejet de tous ceux qui étaient restés dans le statu quo et voulaient que le statu quo reste. Oui. Donc, tout le monde connaît les mensonges de tout le monde, mais il faut qu'on reste dans le mensonge, parce que sinon, mon mensonge va être révélé. D'accord, donc tu veux dire qu'il ne faut pas déranger. Il y a un individu qui arrive avec une joie, avec un enthousiasme, et il dit la chose... Et tout le monde va dire, mais t'as semé le chaos, on était bien avant. Et voilà ce que ça donne quand il y a l'expression sincère, quand il y a l'expression de l'enthousiasme. Et c'est ce que je répondais à une amie qui me disait, mais Farzad, quel est ton besoin lorsque tu rencontres de telles oppositions parfois? Je leur dis, ben, le seul besoin, c'est d'être sincère, qu'il y ait la vérité entre nous, qu'on puisse... ne pas avoir, tu sais, de murs entre toi et moi qui nous empêchent de s'aimer, de s'aimer les uns les autres. Parce que tant qu'il y a ces murs, il y aura d'un côté du mur le blanc, de l'autre le noir, d'un côté le maître, de l'autre l'esclave, d'un côté le propriétaire, de l'autre le locataire. Alors qu'on enlève le mur et puis de part et d'autre, il y a juste des êtres humains. Et on se rend compte que le mur n'avait de sens que pour un esprit malade. Que pour une intelligence biaisée. Tu es en train de dire que, en fait, quand il y a cette expression du cœur, on est en train de déranger quelque chose qui s'est mis en place. Et qu'est-ce qui s'est mis en place? C'est que dans nos esprits, il y a une façon de penser qui est confinée, qui est arrangée, qui est statuée par des schémas de pensée qui se répètent tout le temps. Et quand il y a la sincérité qui vient là-dedans, eh ben, cette pensée, elle est déstabilisée. C'est-à-dire qu'elle est découverte comme si on met le doigt sur le mensonge. Tu vois? Et le mensonge est découvert, eh ben, la pensée, elle va réagir avec beaucoup de problèmes. Elle va faire des problèmes pour réagir parce qu'elle est dérangée. Donc elle va se constituer
des limites pour pouvoir t'accueillir. Donc, ce que tu vas dire va être en accord avec ce qui est pensé ici. Donc, on va te sommer de dire et de faire ce que tu dois dire de ce qui est à la norme de cette pensée. Oui, tout est fait pour contrer la vérité. Exact. Alors que la vérité n'a que faire d'être contrée ou pas, parce qu'elle est. Elle est là. Et elle est avant que nous ayons pensé, elle sera là après que nous ayons pensé. Exactement. Ça, donc, tu veux dire que c'est la pensée qui a créé la difficulté qu'on puisse voir la vérité ? Oui, c'est le confinement dans la pensée. On va parler très concrètement. Oui. Dernièrement, on m'a dit, Farzad, tu es pour ou contre le masque ? J'ai dit, moi, je le porte. Ne serait-ce que par respect pour ceux qui ont peur. Mais ce qui me pose la question de me dire que avant de mettre le masque, nous étions déjà masqués. Rappelle-toi. Rappelle-toi, mon ami, je lui disais, ça fait combien de temps que tu ne supportes pas ton voisin ? Ça fait combien de temps que tu vas au travail et que tu dis que ceux qui n'ont pas de travail ne foutent rien dans leur vie, qu'ils ne valent rien, etc. Ça fait combien de temps que tu sors masqué avec ton titre, avec ton salaire, avec tes avantages, pensant que les autres te jalousent, en mettant des barrières. Tu as mis autant de masques et de filtres et de voiles que tu ne vois plus le monde dans sa réalité, dans sa vérité. Donc tu le vois à travers les pensées que tu as. Donc tu étais masqué avant même d'avoir le masque. Masqué. C'est ça. Et tu es toujours masqué. Ouais. Alors bien sûr, maintenant il y a un masque physique. Avant il y avait un masque psychique. Mais qu'importe. Il y a toujours le masque. Voilà. Maintenant, qu'on porte le masque ou pas, c'est pas ça la question. C'est, est-ce qu'on peut être vrai tout en portant quel que soit notre vêtement? Est-ce qu'on peut être vrai, réellement, sans avoir mal de se dire, oui, il y a de la violence dans mon humanité, oui, il y a de l'agressivité, oui, il y a du mensonge. Et pas qu'au plus haut niveau, pas qu'à la tête de l'État ou des grandes entreprises. Il y en a là, partout. Là où il y a l'homme, il y a la trahison aussi. Exact. Et dès lors qu'on le voit, la présence qui perçoit ça transforme la réalité. Elle le purifie, elle le lave, et puis on en sort grandi. Mais avant d'en sortir grandi, il faut comprendre notre petitesse. Il faut comprendre que nous ne sommes pas les premiers. Nous ne sommes pas les premiers, les plus hauts, les plus gradés, les plus premiers. On est au fond, à la fois dans la conscience, la sagesse des grands maîtres, mais à la fois la bêtise du criminel. On a ça en nous. Et ça nous gratte. Et ça nous fait mal de le voir. Parce que on aimerait faire partie juste des bons, juste des justes. Maintenant, notre héritage, c'est les deux. Et en le voyant, en le comprenant, sans le juger, sans faire des camps et des clans, eh ben, on arrive à voir toute l'histoire de l'humanité. C'est une histoire incroyable. Des historiens peuvent y passer des heures, des philosophes peuvent y passer des années. Mais tout à coup, on se rend compte que tout ça, c'est tellement petit par rapport à la conscience qui perçoit ça. Je veux dire, une vie d'humain sur la planète, c'est une tête d'épingle. La planète elle-même dans la galaxie, c'est une tête d'épingle. La galaxie même dans le cosmos, c'est une tête d'épingle. Où sommes-nous là-dedans? Où est le corps? Mais on peut voir tout ça, c'est-à-dire tout ce mouvement-là, on peut le voir. Et ce qui voit, c'est pas l'humain. C'est au-delà de l'humain. C'est pas à confondre avec le corps. Le corps ne peut voir qu'à partir de sa dimension à lui, de sa mesure à lui. L'homme ne pourrait découvrir ce qu'il a découvert jusqu'à aujourd'hui sans une réalisation de ce qu'il est, de sa conscience. Et aujourd'hui, dans le confinement dans lequel nous sommes, dans cette expression sincère où on arrive là maintenant, eh ben, il va se produire deux camps, il me semble. Il est en train de se produire deux camps. Ceux qui arrivent à rester sincères et ceux qui cachent la sincérité pour protéger un privilège. Comment tu vois ça, toi, aujourd'hui ? Ben, quand on essaye de privilégier ce qui me rend heureux, et je m'aperçois que ce ne sont que des choses matérielles, en fait. Que c'est quelque chose que je veux garder. Ça, c'est mes privilèges. Le privilège de pouvoir jouir
de quelque chose que j'ai pu acquérir. Et qu'est-ce que j'ai acquis? J'ai acquis de la connaissance. Tout le long de ma vie, j'ai acquis de la connaissance. J'ai acquis de la notoriété. J'ai acquis un pouvoir d'être ce que je me suis fait. Tu vois, je suis un père de famille, une mère de famille, je suis ceci, je suis cela. Et tout ça, ce sont des privilèges qui nous font exister et qui nous donnent une notoriété, un rôle. Ce sont nos privilèges. Et ces privilèges, on les trouve à travers ma voiture, mon argent, mon statut, ma notoriété. Et tous ces privilèges-là, ce sont des choses matérielles, éphémères. Ce sont des choses qui sont inventées, qui ne sont pas dans les faits, ça n'existe pas. Ça existe une voiture, je veux dire, une voiture, ça existe. Si j'ai une voiture, ça existe la voiture. Mais dans les faits, ce que tu en fais de la voiture n'existe pas. La voiture, c'est un morceau de fer, c'est tout ce que c'est. Mais quand tu dis c'est ma voiture, ce n'est plus la réalité. C'est quelque chose qu'on a fabriqué pour pouvoir exister à travers la pensée qui nous amène à croire que nous sommes ces choses. Et nous nous sommes identifiés à ces choses. Et quand tu es identifié à ces choses, qui parle à ce moment-là? Qui est celui qui parle? Qui est celui qui s'exprime? C'est celui qui est prisonnier de tout ça. C'est celui qui a envie de garder tout ça. C'est celui qui a des intérêts. Et c'est ça notre expression dans le monde aujourd'hui. Et quand il s'agit de faire une expression qui n'est pas dans cette direction, on a une difficulté extraordinaire. Parce qu'on ne parle jamais avec le cœur. On parle avec la tête, avec ce que nous avons acquis, avec la connaissance que nous avons. Et cette connaissance, justement, elle est limitée. Elle ne peut pas aller au-delà de ce que nous avons amassé. Tous les acquis que nous avons sont limités dans leurs actions, dans l'action qu'on fait avec tout ça, toutes ces actions sont limitées, puisqu'elles sont du passé, elles sont éphémères, et elles ne résoudront aucun problème dans nos vies à nous. Elles ne résoudront pas le problème de la souffrance, elles ne résoudront pas le problème de la non-joie dans nos vies. Et pour faire en sorte que le problème disparaisse, il faut que la pensée qui a fabriqué l'illusion de tout ça s'en aille, qu'elle n'est plus là pour faire en sorte qu'il y ait encore des croyances, il y ait encore des actions qui viennent de l'intérêt. Parce que ça, c'est la pensée. Et la pensée a cette faculté de te leurrer, de te faire croire que tu es quelqu'un d'important. Et comme tu disais, on est juste un petit grain de sable dans l'univers. Ça veut dire que si on se donne de l'importance, ça veut dire que tout de suite, il faut que tu redescendes sur Terre. Tu es rien du tout, tu vois. Et ce rien du tout est justement à la capacité de rester avec ce qui est réel. Il est réel, il comprend qu'il est rien. Et là, on n'invente plus rien. Il n'y a plus d'illusion qui se fait. On ne se donne plus l'envie de devenir ce que nous ne sommes pas. Donc, il n'y a que l'action du cœur qui va parler. Le cœur va parler, toujours parler, avec cette simplicité, sans que tu sois rattaché à quoi que ce soit sur la planète. Certes, c'est la chose la plus difficile à faire, parce que nous, les humains, on est tout le temps omnibulés par ce que nous pouvons avoir et qui nous donne de la sécurité. Donc, il nous faut notre argent. Il nous faut notre maison, il nous faut notre petite femme, il nous faut notre petite croyance, et tout ça parce que ça nous rassure. Parce que quand tu es rien, tu vois, et que tu n'as pas tout ça, tu es perdu, tu es dans l'angoisse, et il faut que tu te fasses une image de toi pour pouvoir exister en tant que quelque chose. Puisque nous vivons dans un monde où toutes les choses te demandent d'être affilié à la chose. C'est-à-dire, tu dois être quelqu'un, tu dois agir comme ci, comme ci, comme ça, pour que tu fasses partie de la société. Autrement, tu n'es pas reconnu. Et c'est cette non-reconnaissance de la société qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, que tu es menteur envers toi-même, que tu te mens à toi-même pour devenir ce que tu n'es pas. Et ça, c'est quelque chose de sublime de comprendre, de voir que
toute l'illusion que nous avons. C'est quelque chose d'extraordinaire que tu puisses voir ça. C'est une aubaine. C'est un miracle, je dirais. Parce que tu es tellement conditionné à ne pas le voir que quand tu le vois, c'est un miracle. C'est comme si tu comprends tout de suite, le mensonge. Tu vois où est le mensonge. Et le mensonge, quand tu l'as découvert, eh bien, qu'est-ce qui reste du mensonge ? Une histoire qui n'avait pas de sens. Le mensonge. Mais qu'est-ce qui reste quand tu as découvert ça ? Ben, la réalité. Ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est, font partie des faits. Le fait. Le fait, c'est que tout ce que je suis n'est pas autre chose que ce que je suis. Et ça, c'est un fait. C'est un fait que tu ne peux pas changer. Les faits ne peuvent pas être changés. Tu sais, la maman qui perd son enfant, c'est un fait. Tu ne peux pas changer ça. Ça arrive. L'accident qui arrive, tu ne peux pas le changer. Ça arrive. Mais dans notre tête, nous disons, la pensée va nous dire, oui, mais si tu avais fait ça, 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 ça et ça, tu aurais pu éviter ça. Donc, en fait, on regrette. On regrette toutes les actions. Alors que tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter pour ne pas avoir ce sentiment de culpabilité, de regret, et d'accepter les choses comme elles sont, parce que tu ne peux pas faire autrement. Et il faut les vivre. Vivre ce qu'il y a, pas vivre ce que tu aimerais vivre. Parce Merci. Que ce que tu aimerais n'existe pas. Merci Guy. Un petit message à la régie, il y a une baffle qui fait du bruit derrière. S'il vous plaît, si vous pouviez régler ça, merci. Super. Donc, on a encore un peu de temps, 3 minutes. D'accord. Pour causer et conclure. Nous sommes revenus au cœur en comprenant que nous ne sommes pas juste ce corps et son histoire et ses pensées et ses tracas. Nous sommes revenus au cœur en acceptant ce qui nous vient et qu'il y a de réel sans vouloir mieux demain. Oui. Nous sommes revenus au cœur par la sincérité de notre expression, de notre parole, en s'avouant à soi-même combien nous sommes petits, fragiles et vulnérables, si nous nous considérons juste comme ce corps. Et en faisant cela, on accède à un royaume beaucoup plus vaste, il semblerait. Quelque chose qui est clair, qui soit plus lumineux, qui soit... Qui arrive déjà, à voir, déjà pour voir, il faut qu'il y ait un éclairage. Le fait que, quand tu vois les faits, les faits sont quoi ? Ben, c'est ce qui existe. Le fait, c'est ça. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu ne peux pas faire autrement. C'est les faits. Mais ce que nous voulons, c'est quelque chose que nous inventons. Donc ça ne peut pas exister. Okay ? Mais nous pouvons croire que ça existe. On fait exister nos rêves. On croit que nos rêves peuvent être accomplis. Okay? Mais ça n'existe pas. Que tu aimes ou pas, quand tu auras vu ton rêve, quand ton rêve, tu l'auras récupéré, tu vas regarder et tu vas t'apercevoir que c'est le fruit de ton désir que tu as. C'est tout. Mais pas la réalité. La réalité, c'est que quand tu as découvert que tu ne fais rien pour distordre la réalité, c'est-à-dire que ta pensée n'intervient pas, ça veut dire que ta tête, elle est vide. Et ce vide, ça représente l'éternité. Un vide silencieux où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas la jacasserie des pensées qui te dicte qu'est-ce que tu devrais voir ou qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce que tu devrais faire exister ou pas. Tout ça, c'est la jacasserie de la pensée. Et ça ne peut pas nous emmener nulle part. Ça nous emmènera toujours au chaos. Parce que cette chose que nous faisons exister, qui n'existe pas, crée justement les rangs sociaux. Crée justement l'homme et la femme qui se disputent. Crée la disanie dans notre pays. Parce que nous voulons quelque chose qui n'existe pas. Donc, si on peut accepter le fait, juste accepte ce qui se passe, ce qui est, sans dire que c'est bien, sans dire que c'est pas bien, ne compare pas. Ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais accepte. Et quand tu as accepté, tu ne fais plus rien pour mettre du désordre.
vois. Et quand tu ne fais plus rien pour mettre du désordre, ben, il y a la paix. L'harmonie existe bel et bien, chers amis, auditeurs, auditrices. Cette harmonie est là maintenant. Elle était là avant, elle sera là après. Elle est là de toute éternité, dans son immuabilité, dans notre façon de le vivre. Et peut-être que vous-même, vous aimeriez commencer, là maintenant, à le vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.